Show, l'After Foot. Je crois que les footeux sont dans un univers que j'appelle culture urbaine, pour pas dire culture racaille, que le rap est très important. Quand j'écoute dans le texte du rap, il y a toujours une expression de la démarche. Il n'y a pas de violence à l'égard des femmes dans le rap. Il y a de la violence. Mais pas tout, quelle est la musique aujourd'hui la plus écoutée par les jeunes? Le rap. Quel est l'élément culturel qui frappe et impacte le plus les jeunes? Le rap. Le rap. Phaser, phaser. J'écoute l'after. J'écoute l'after. J'écoute l'after. J'écoute l'after. Moi, j'écoute l'after, c'est tous les soirs de 8h à minuit. J'écoute pour me divertir, pour passer le temps et pour tuer l'ennui. J'écoute pas ça pour être zen ou quand je médite au calme. Les débats agités font chavirer la ligne éditoriale. L'after, c'est pour les vrais, c'est pour les acharnés. J'avoue que depuis 15 ans, leur ton tranchant sur l'antenne m'a charmé. Si t'aimes pas le foot, j'préfère te prévenir, l'after c'est pas pour toi. Au micro, un canet, un parigo et puis un strasbourgeois. Jérôme, Daniel Gilbert, un trio pertinent pour défendre tes idées. Faut jouer des coupes comme Rio Ferdinand. T'as pas d'avis, autrement dit, t'as le cul entre deux chaises. Je te déconseille vivement de composer le numéro 3216. Tu risques de passer pour un con ou pour un rigolo. C'est dur d'en placer une quand notre Daniel nous fait du riolo. J'écoute l'after tout simplement parce que j'aime bien le foot. Et s'il y a pandémie en confinement, ça me fait un bien fou. À 8h, à 9h, j'écoute l'after. Chez le docteur, chez le coiffeur, j'écoute l'after. Les livreurs, les chauffeurs, écoute l'after. Auditrice, auditeur, écoute l'after. En voiture, en tracteur, j'écoute l'after. McCarthy, Paul Breitner, écoute l'after. Les buteurs, les passeurs, écoute l'after. Au micro, c'est Phaser. L'été, je suis en vacances, je pars au soleil, j'écoute à la playa. Quand je parte à la Palma, à Malaga, ou bien à Pattaya. L'hiver, j'écoute, je suis sous ma couette pendant que je squatte au chaud. L'after, c'est du sérieux, c'est pas les clowns qu'il y a dans le Moscato Show. Ouais, mec, là, c'est Phaser qui fait des rimes qui cognent. Le but est de finir sur la playlist de Frédéric Piquion. Entre Cassav, la Lambada et Nouma Nouma, yeah. Si tu dragues sur mon son, tu te prends une veste comme Oussem Loussaïef. J'écoute l'after tranquille chez moi, mais quand les potes passent, ils font bien trop de boucans. Donc le lendemain, je réécoute en podcast. Moi, je représente les afteriens derrière mon microphone qu'ils écoutent à Madrid, à Pompéi. Et même à Mykonos. Tout le monde écoute les blacks, les beurs, les jaunes, les toubas. Parce qu'ils viennent dire tout haut ce que le monde du foot au fond pense tout bas. Si t'écoutes pas, tu me le dis pas ou je vais démonter car je supporte pas qu'on parle mal derrière le dos de Radio Monte Carlo. Monte Carlo, 10h à 11h, j'écoute l'after. En soirée, en after, j'écoute l'after. Entraîneur, formateur, écoute l'after. Les joggeurs, les plongeurs, écoute l'after. En vélo, en scooter, j'écoute l'after. Attaquant, défenseur, écoute l'after. Même Rocco, le grand acteur, écoute l'after. C'est Phaser, c'est Phaser. L'after à la radio, sur Instagram. Et si t'es pas repu, l'after est sur Twitter, à la télé, y'a même la revue. Si les plans sautent à la maison, j'écoute sur le parking. L'after c'est la F1, ne pas confondre avec le karting. Les autres médias, je les écoute pas, vous non plus, je crois bien. Je résume mes propos, mes trois couplets seront mes trois points. Des fois j'éteins mon transistor, histoire de voir autre chose. J'aime bien me cultiver, lire les bouquins des grands philosophes. J'écoute l'after quand je prends ma douche pendant le match de foot. Dans le rap petit poussé en Coupe de France, c'est moi faire que fou. Je suis là pour vivre une épopée, quitter le ventre mou. Et j'écoute pendant l'acte, mais ça les gars, ça reste entre nous. Si je réussis, ben dans les bas, tu auras mon single. En attendant Gilbert, fais-moi plaisir, mets-moi dans le jingle. Et si j'échoue, bah je pourrais dire que j'ai essayé. En commentaire YouTube, mettez-moi le feu comme j'en essayais. Tous les jours à pas d'heure, j'écoute l'after. Les chômeurs, les taffeurs, écoute l'after. Pied carré, grand joueur, écoute l'after. Mon traiteur, mon facteur, écoute l'after. En avion, en planeur, j'écoute l'after. Zinedine, Gerd Müller, écoute l'after. Même ta mère et ta sœur, écoute l'after. C'est qui? Au micro, c'est Phaser. C'est Phaser. C'est Phaser, mec. Premier point, c'est l'énorme satisfaction que j'aime pouvoir me tromper quand c'est pour la bonne cause. Les réseaux sociaux s'enflamment, Direct Studio est en feu. On a vu les premières minutes du génie. Je fais bien de le souligner et c'est vrai, ça, ce que j'avais dit n'était pas 100% juste. En tout cas, ça fera un excellent jingle. Envoyez-moi les adresses.